Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing de la boutique DIY Shoes. Donc, c'est une commande que j'ai passée en date du 27 juin qui a été livrée le 17 juillet dans ma boîte aux lettres, donc par la poste. Hein. Donc, vous voyez, il est totalement fermé. Aujourd'hui, on est le 19 juillet. Vous aurez peut-être cette vidéo un petit peu plus tard, sans doute. Je vous attendais pour l'ouvrir. Donc, on va y aller. Donc, dans ce colis, j'ai normalement 5 articles, 3 toiles et 2 objets spéciaux. Donc, on va déjà faire le compte. Une toile, 2 toiles, 3 toiles, un objet spécial et le deuxième. Voilà. Alors, et ben on va commencer par un objet spécial qui est pour ma fille. Donc, je vais prendre ma page pour vous dire toutes les petites informations. Donc, c'est une brosse à cheveux. Hop. Avec des diamants spéciaux. Voilà, si j'enlève le papier collant, ça ne va pas le faire. Hop. Oh ben ça colle super bien en tout cas. Je suis peut-être carrément trempée de côté. Voilà. Hop. Donc c'est une brosse à cheveux avec un hippocampe. Donc sur leur site, ils ont plusieurs modèles. Donc c'est ma fille qui a choisi l'hippocampe. Elle voulait une brosse à elle. Donc voilà. Et puis moi, j'avais bien envie de faire ce petit support. Donc je lui ai demandé de choisir. Alors moi, je suis super contente parce que je m'attendais sur l'image, l'hippocampe, il était sur le site, j'avais l'impression qu'il était petit. Mais du coup, il prend vraiment toute la brosse. Donc ça, je suis super contente. Je vous le rapproche un peu. Vous voyez qu'il y a des diamants spéciaux et des ronds. Mais je pense que ça va être que du brillant. Alors, vous avez la brosse, vous avez l'autre partie à fixer une fois que vous aurez diamanté. Comme ça, vous pouvez être à plat. Donc ça, c'est cool. C'est des petits picots en plastique. Et puis, ça m'a l'air solide. Hein. C'est cool. La brosse, elle a des petits dégradés, hein, c'est une petite tache. Elle a des petits dégradés de couleur dans le fond, j'adore. Des petites bulles. Elle est vraiment belle. Voilà, j'en connais une qui va être contente. Alors, je vous montre qui les livrait. Donc, avec tout le kit de base, donc celui-ci qu'on voit partout, hein, la coupelle verte, le pain de colle et le stylet rose classique. Moi, les coupelles vertes, je ne les utilise plus depuis que j'ai découvert les blanches qui ont en plus le bec verseur. C'est vachement plus facile pour remettre après dans les pots ou dans les sachets de diamants. Donc le toolkit. Et enfin, les diamants. Voilà. Ah, on avait trop beau. Oh là là, je suis trop contente. Donc vous avez les symboles hein, qui sont super bien dessinés sur la brosse. C'est repris sur les sachets. Alors vous avez des gros ronds comme ça avec une petite étoile dessinée dedans. Hein. C'est pas lisse. Ils sont trop beaux. Donc ceux-là, il m'en faut 2, 4, 6. J'en ai 6. Donc ça, c'est top. On va avoir des restes pour le bricolage. Ensuite, on a des étoiles. Donc les étoiles, c'est le A. Ben, il m'en faut une seule. Ouais, une seule. Et regardez tout ce que j'ai. Oh, ben, c'est super ça.
Ils sont vraiment pas radins sur les diamants. Ensuite, on a des gros ronds comme ça, un peu boule à facettes, argentés. Donc ça, c'est pareil, c'est le 7. Il m'en faut 4. Voilà tout ce que j'ai. Ensuite, on a des petites perles. Alors comme ça, je les adore. Hein, les demi-sphères nacrées. On a des petits yeux de chat argentés. On a des toutes petites gouttes violettes. On a des ronds brillants bleus. J'adore ce bleu. Waouh! Alors ceux-là, j'ai jamais vu non plus. Des petites demi-sphères bleu nacré. Et des petites demi-sphères nacrées bleu foncé. Wow, je suis trop contente des diamants. Alors, effectivement, on va avoir une tonne de restes. Donc, on pourra se faire un petit bricolage. Il y en a une qui va être contente déjà pour la brosse et contente pour les diamants. Donc, je vais ranger ça. Celle-là, je pense qu'on va la faire ensemble. Je vais devoir me dépêcher parce que quand elle va la voir... Elle va la vouloir tout de suite, n'est-ce pas? Au niveau du collant, on l'a vu avant, ça colle super bien. Voilà, donc la petite brosse, elle est trop jolie. Vous voyez, par rapport à ma main, elle est grande. C'est pas un petit truc de rien du tout. Et donc ça, après, juste à clipper, on le fera ensemble. Donc voilà pour la brosse. On va ranger dans ça. Donc celle-ci, elle est au prix de 7,99 $. Donc je vous ai fait la conversion, ça fait 6,78 € sur le site de DIY Show. Et donc plusieurs motifs, il n'y a pas que l'hippocampe. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, on va faire une toile. Donc les trois toiles que j'ai commandées, c'est des Gorgeous. Vous allez voir au fil de mes vidéos que je ne suis pas du tout fan des Gorgeous. Donc hop, on prend la première qui arrive, ça va être du pif. Ok, il y a tout dedans. Alors, elle est dans quel sens? Ah, parfait. Donc, celle-ci, je l'ai commandée. C'est pas une toile entière, c'est une toile partielle. Donc, il n'y a que certaines parties à diamanter. Et ce sont des diamants spéciaux. Et elle est trop belle. Donc, elle existe en toile entière hein, sur plusieurs sites. Et du coup, avec le petit bouquet de roses, tout ça, je voulais tester en diamants spéciaux. Et donc, elle est en partielle. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Le fond, il est magnifique. Il y a quand même pas mal à diamanter hein, sur la poupée. On va juste la rouler dans l'autre sens, histoire de défaire un petit peu les plis. De toute façon, après moi, je les... Pour le stockage, je vous ferai une vidéo de comment je m'organise pour le stockage. Mais je les garde à plat et je mets les diamants à part. Je vous montrerai tout ça. Donc voilà pour la Gorgeous. Donc vous avez 11 couleurs. Il y a les DMC sur la toile. Donc ça c'est cool. Vous avez deux talonnets matière, une en haut, une en bas. Donc c'est une 30x40. Donc quand c'est une 30x40, c'est pas énorme, mais c'est quand même un point positif d'avoir deux tables des matières. Ensuite, elle est avec le toolkit de base, donc coupelle verte, pain de colle et le stylet rose, que je ne vous présente plus. Et alors, pour les diamants, on va ouvrir. C'est dans les tons roses, hein, bien sûr. Ça va être la couleur principale puisque c'est la robe. Ils ont l'air magnifiques aussi. Les cœurs, ils sont trop beaux.
Donc les DMC ne sont pas repris sur les sachets, hein, mais vous les avez sur la toile. Donc vous avez des cœurs comme ça. Des petits yeux de chat bleu-vert en fonction des reflets. Vous avez les demi-sphères, pareil, bleu-vert. Ah ben, les demi-sphères bleu nacré qu'il y avait dans la brosse tout à l'heure. Les demi-sphères nacrées. Du brillant, des ronds brillants rose foncé. Il y a plusieurs roses. Un rose un peu plus clair et rose encore plus clair. Puis vous avez des brillants verts. Des brillants bleu foncé. Et un bleu foncé mais un tout petit peu plus clair que l'autre. Ça sera dans les cheveux. Voilà, donc sachet ribandelle. J'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 couleurs. Donc j'ai tout. Et pareil, hein, pour les cœurs, il m'en faut quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il me faut 22 cœurs. Et on est bien servi. Hein. 3, 6, 9, 10. 16, 18, 20, 22, 24, 26. J'ai 26 cœurs. Donc, nickel. Il y a un peu de rab au cas où il y a du déchet. Peut-être qu'il y en a qui sont pas très très beaux. Ah, je suis trop contente. Je voulais tester du coup pour voir. J'ai l'habitude de commander les Gorgeous en toile entière, toile pleine. Et je voulais voir ce que ça donnait en partiel avec diamants spéciaux. Donc c'est un bon test déjà pour l'unboxing. Au niveau du collant. Nickel, il n'y a pas de souci. Le fond il est magnifique. Le rose avec les petites écritures là. Voilà, je vous montre de près. Elle est trop belle. Donc voilà pour celle-ci. Donc, alors la toile, une 30 par 40 en diamants spéciaux, elle est au prix de 4,99 $, ce qui fait 4,23 €. Donc je trouve ça très correct. On est dans les prix. Hein. Après, on peut avoir des toiles pleines à ce prix-là, mais les diamants spéciaux coûtent un petit peu plus cher. Donc je vais juste les noter pour pas avoir besoin de rouvrir. Donc Gorgeous DIY Shoes, Bouquet de Rose, ça c'est le petit nom que je me donne. Diamants spéciaux. Et je vais me noter partiel. Voilà, comme ça j'ai tout. Ensuite, et ben on va continuer sur les Gorgeous. Allez, deuxième toile. Ah bah c'est encore, c'est la deuxième en diamants spéciaux. Voilà, alors, hop, celle-ci c'est la pirate. Hop. Juste pour vous la mettre à peu près droite. Voilà. Donc voilà la Gorgeous Pirate en partiel avec des diamants spéciaux, pareil. Elle est trop chou. Je la trouve vraiment trop chaud. Et il y a quand même pas mal à diamanter du coup. Hein. Ça va pas être fait en une demi-heure. Il y a toutes les petites roses. Il y a les cheveux, le bandeau, le tour du corsage, la robe, les petites chaussettes, les chaussures, les têtes de mort. Non, franchement, ça va être top. Donc une 30 par 40. Au niveau du collant,
c'est nickel aussi. Vous avez également 11 couleurs. Le toolkit de base. Et les diamants. Ah, alors là, ça doit être un autre fournisseur parce qu'ils sont rangés dans des sachets zippés. J'adore quand ils sont rangés comme ça. Ça fait moins bazar. Et en plus, je crois qu'ils sont rangés dans l'ordre. C'est magnifique. Bon, je les rangerai après de nouveau, moi. Donc, vous avez des gouttes un peu dorées. Vous avez des gros ronds roses. Vous avez des mini gouttes violet clair. Les super cœurs qu'on retrouve. Les yeux de chat dans les tons roses, mais voilà, en fonction du reflet, ça change de couleur, rose, orangé, jaune. Les ronds nacrés. Des ronds verts foncés, donc tout brille, hein. Que des brillants. Du rose foncé, du jaune, un petit peu de noir, et ça c'est du rouge. Voilà, donc je pense que c'est pour tout ce qui est... alors deux, c'est ce symbole. Ouais, c'est pour tout ce qui est rose, pour toutes les fleurs. Voilà, voilà. Donc ça, c'est top parce qu'en plus, ces sachets-là avec les bords rouges, ils sont de bonne qualité. Oh, par contre, attendez. Ah non, le 1, c'est celui-là. Ok, ils étaient déclassés, j'ai eu peur. J'avais pas de numéro 1. On a bien les 11 couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui. Donc voilà pour ma bordure. Je suis trop contente. J'ai vraiment hâte de les faire pour voir... que le rendu donne. Je vais devoir établir un ordre de priorité parce que ça va être la catastrophe avec tout ce que j'ai à faire. Hop. Bon, maintenant qu'on est dans les toiles, on va continuer. Gorgeous Pirate. DIY Shoes, partiel, diamants spéciaux. Voilà. Donc on va finir. Donc la dernière, c'est une plaine normalement, si je ne me suis pas trompée dans ma commande. Une plaine en diamant brun. Ok, c'est ça. Donc celle-ci par contre, elle était en 30 par 30. Alors c'est la première fois que je commande une Gorgeous en 30 par 30. Je voulais tester ce que ça donnait. Et tester en même temps leurs diamants ronds. Bon, même si les diamants ronds, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais c'est la première fois que je commande chez ce vendeur. Donc 30 par 30, comme ça j'ai aussi une plus petite toile, je suis habituée aux plus grandes. Donc vous avez pour une 30 par 30, 23 couleurs, ce qui est pas mal pour cette taille-là. Elle est livrée avec le toolkit de base, il y a un pain de colle un petit peu plus grand dans celle-ci. Au niveau du collant, non, nickel, pas de soucis. Alors, au niveau de l'impression, il y a des symboles. Alors, ceux écrits en noir, hein, c'est nickel. Il y a les symboles tout en haut qui sont écrits en blanc. Alors, ceux-ci, il faudra un petit peu se rapprocher pour lire. Ou du moins, si on le fait le soir, la tablette lumineuse sera nécessaire. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Là-haut, c'est des symboles écrits en blanc. Et en dessous, c'est le noir. Donc, le noir sans souci, le blanc, un peu plus de mal. C'est, en fait, c'est parce que c'est dans le ciel, hein, parce que sinon les symboles blancs dans l'herbe, là en dessous, on arrive très bien à les lire.
Donc 30 par 30, deux tables des matières, ça n'aurait pas été extrêmement nécessaire, mais c'est un point positif. Vous avez les DMC sur la toile, donc ça c'est extra cool. Et au niveau des diamants, je ne vais pas vous les ouvrir. C'est des diamants ronds classiques. Les DMC ne sont pas repris sur les sachets. Et donc on reste dans des couleurs plutôt foncées, automnales. Avec le petit écureuil là. Voilà. Donc vous avez beaucoup de vert, beaucoup de gris, du bleu, un peu clair, un peu foncé. Voilà, je sais pas si vous voyez. Du brun. Voilà, pour des couleurs. En tout cas, les diamants, ils ont l'air très propres, très bien taillés. Donc je vous dirai à la pose ce que ça donne. De toute façon, je vous ferai un avis sur chaque vendeur après avoir testé du rond, du carré, du diamant spéciaux. Donc pour celle-ci, je sais pas si je vous avais dit pour les autres, hein, les deux diamants spéciaux étaient à 4,99 $, soit 4,23 €. La pirate et la bouquet de rose. Et celle-ci, elle est un peu moins chère, elle est à 3,99 $, soit 3,38 €. Donc tout à fait correct. 3,38 €, on passe quand même un petit peu de temps là-dessus. Donc c'est très très correct. Et donc on va finir avec un objet spécial. Vous allez me dire, enfin vous allez vous dire, elle est complètement folle parce que on est en plein été et j'ai commandé un truc de Noël. Oui, de Noël. Je sais pas ce qui m'a pris. En fait, je voulais tester ce truc. Et je me suis dit, ben, si je l'ai en avance. Ce sera bien, j'aurai le temps de le faire. Alors ce sera que fait au mois de novembre, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, je l'ai trouvé super joli, pas très cher, et je me suis dit ben hop, comme ça tu pourras le présenter, mais du coup c'est pas du tout de saison. Donc c'est une petite suspension avec des petits objets de Noël et il y a écrit Merry Christmas. Merry Christmas. Avec l'accent anglais, c'est un petit peu mieux. Alors, il se présente comme ça. Donc, on a le toolkit de base, coupelle, pain de colle, stylet rose, et dedans, enfin, c'est pas fermé le sachet. Ah ben oui, il s'est ouvert. C'est pas grave, de toute façon. Il va falloir tout sortir. Donc on va commencer par la suspension. Donc c'est hyper bien emballé dans ces petites boîtes, moi j'adore. Et en plus ils ont mis du papier bulle pour la suspension. Donc c'est nickel. Voilà à quoi ressemble la suspension. Donc elle est quand même assez grande, hein, je dirais 15-20, ouais, une vingtaine de centimètres de long. Il y a un petit film plastique dessus. Ça colle nickel. Là, il n'y a rien à dire. Hop. Voilà. Ensuite, vous avez tous les petits. Tous les petits objets. Donc il y a un bonhomme de neige. Il est trop chou. Il y a un Père Noël. Couronne, un petit flocon, lui il est trop chou, le petit renne. Oh, ça va être génial à faire, je vais faire ça avec ma fille je crois. Le petit pain d'épices, la canne à sucre, le sapin et la boule de Noël. Donc il y a quand même beaucoup beaucoup à diamanter, je trouve. Ensuite, vous avez tout qui est fourni avec. Donc que je regarde mon image, vous avez
là, toutes les chaînettes, dans un petit sachet zippé, toutes les chaînettes pour relier vos suspensions au Merry Christmas. Si j'arrive, voilà. Donc, c'est des petits... c'est des petits clips. Hein. Appuyez et passez. Vous avez à chaque fois le petit anneau. Donc, un petit clip de chaque côté. Voilà. Donc, je dois avoir 5, 7, 9, 11. 11 chaînettes. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors pourquoi j'en ai que 9? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, c'est bon. C'est parce qu'en fait, ils sont reliés des fois en... sur le dessin. Je vous montre en fait. Ça va être plus facile. Voilà sur l'image. Est-ce que j'arrive à vous le monter? Voilà. Il n'y a besoin que de 9 chaînettes. Donc 5 pour les 5 premiers pendentifs. Ensuite 3 et 1 pour le troisième étage. Voilà. C'est peut-être un peu plus parlant pour vous. Donc ça, j'ai le compte. Je vais tout ranger après. Sinon, ça va où je voulais. Hop. Donc là, vous avez la chaînette pour accrocher la suspension elle-même avec une petite ventouse pour accrocher à la fenêtre, par exemple. Voilà, et ça, c'est la chaînette pour suspendre la suspension en entier. Voilà. Et pour les diamants, vous avez, je vais faire une petite revue rapide, du rond brillant rouge, du nacré, du vert, du jaune, encore du vert, alors il est un peu plus clair celui-là, du bleu foncé, du brun, du bleu clair, du orange, ouais, jaune foncé orange, du beige. Là, vous avez les demi-sphères nacrées, des petites étoiles jaunes, les gros ronds verts, les gros ronds orange et les gros ronds bleus. Donc voilà pour les diamants de cet objet. Alors ça, c'est un truc que moi j'adore, hein. J'adore ces supports, j'adore faire les toiles, mais j'adore aussi ces supports. Donc c'est un truc que je vais m'éclater à faire. Donc bien sûr, vous ne le verrez pas tout de suite, à moins qu'il refasse tempête pendant 15 jours et où j'aurai vraiment l'impression d'être en hiver. Vous ne le verrez pas tout de suite, mais je vous montrerai le rendu final. Donc cette suspension, elle était au prix de 8,99$, soit... 7,63€. Donc je trouve ça sympa. Ça fait, c'est objet de décoration. Et en plus, on met du temps à diamanter parce que entre la suspension et les petits objets, il y a quand même pas mal de diamants à poser. Donc je trouve le prix très très correct. Ça a l'air d'être solide. C'est de bonne qualité. Au niveau des collants, il n'y a aucun souci. Hein. Ça colle génial. Donc voilà. Donc, suite à cet unboxing sur DIY Shoes, moi, j'ai un très bon avis pour l'instant de ce que je vois là. À voir après pour la pose. Donc, c'est vrai que j'ai pas de commandé de carré. Mais une fois que j'aurai testé notamment la toile Gorgeous avec les ronds, je testerai leur carré. Je vous mets en barre d'infos le lien de la boutique et le lien de tous les articles que je vous ai présentés. Je vous précise qu'il y a 5,99$ de frais de port, donc ça fait à peu près 5,08€. Voilà, sinon
Je vous avais dit le délai de livraison, il y a eu 20 jours. Donc j'ai commandé le 27 juin, ça a été livré le 17 juillet. Donc ça va. Il y en a qui sont un petit peu plus rapides, mais ça reste raisonnable. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, cet unboxing de DIY Shoes. Donc selon l'unboxing, moi pour l'instant je suis très très ravie et j'ai hâte de réaliser ces toiles et ces objets. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour un nouvel unboxing.